Alors Camille Favreau, bravo, tu viens de remporter le Grand Prix CSIP de Barbizon avec ULM de Seille. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée l'épreuve et le concours d'abord. Mon concours s'est très bien passé. J'étais en parallèle à cheval et à poney, donc c'était très bien. J'ai remporté la grosse du CSIP vendredi avec ULM. J'ai aussi remporté la 130 avec Rimbaud hier. Et aujourd'hui, je gagne avec ULM et fais 3e de la 135 avec mon cheval, encore Rimbaud. Mon année à poney est déjà finie. Enfin, c'était mes premiers championnats d'Europe. Là, je me fais plaisir avec ULM. Il va être à vendre. C'est parce que d'ici décembre, je ne pourrai plus courir les CSIP. Donc, c'était l'objectif est déjà passé. Alors, donc, qu'est-ce que tu garderas comme plus beau souvenir de ces années à poney ? Je garde ces championnats de France 2017, où je suis championne de France. C'était une de mes plus belles expériences avec le CSIOP de Fontainebleau et d'Hagen. Je vais en cours déjà, comme tous les enfants. Je suis en première ES cette année. Et voilà. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après ou pas ? Non, je ne sais pas encore. Je ne pense pas que je me plongerai totalement dans les chevaux. Après, je ne veux jamais arrêter, mais je n'ai pas encore d'idée précise d'études ou même de métier. Et donc, à cheval, est-ce que tu as des projets particuliers pour la saison 2018 ? Je compte continuer avec mon cheval, qui est le cheval de Jean-Luc, mon coach. Jean-Luc Vernon. Et donc... On tourne là en 135, on évoluera peut-être un petit peu sur les 140 d'ici la fin de l'année. Il y a peut-être aussi le projet d'avoir un cheval de junior, mais on ne sait pas trop encore. On attend de finir avec ULM pour savoir la suite. Écoute Camille, bravo, merci beaucoup et bonne continuation alors à cheval et dans les études et pour tout le reste. Merci. Merci à vous.